Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Un tour où on va apprendre à deviner la carte que le spectateur va pouvoir choisir ou la carte qu'on va donner au spectateur. Donc en fait c'est presque un tour de mentalisme, tu vas découvrir ça tout de suite. Alors avant de passer à la démo, juste petite information, si tu fais partie de l'Abracadémie, c'est-à-dire si tu fais partie de ma base de contact privée, donc si tu as profité de la formation gratuite que je propose dans la description et que tu as profité du coup des 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants, tu as peut-être reçu un de mes mails qui te parle d'une promo de rentrée sur le Magic Pack. Comme tu peux le savoir, j'ai un pack de magie où c'est 3 grosses formations, donc on a Mind Break, on a Mental Mastery, on a Card Mastery, donc c'est 3 très très gros programmes, et on a ensuite Magicspert où là je t'explique 52 vidéos de techniques et secrets des plus grands magiciens. Donc tout ça, je l'ai compilé dans un pack qui s'appelle le Magic Pack et il est à un certain prix, sauf que là je te propose une promotion de rentrée. Donc si je te le dis en vidéo, c'est parce que je fais pratiquement jamais ça, mais là pour la rentrée, je voulais proposer tout simplement une grosse promotion sur ce pack là. Donc je te mettrai un lien dans la description, tu pourras aller voir ça, et c'est disponible jusqu'à ce soir. Je suis désolé, je privilégie les gens qui ont cliqué sur la petite cloche et du coup qui vont voir cette vidéo. Donc pour les autres, si vous voyez cette vidéo plus tard, bah tant pis, peut-être plus tard, je sais pas du tout quand est-ce que je referai une autre promo. Mais sinon, allez voir ça, allez voir les témoignages qui ont été mis à jour. Et je vous retrouve peut-être bientôt dans le Magic Pack. On passe à la démo. Alors j'ai mon jeu de cartes juste ici et tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte, je vais la mettre comme ça et je vais pouvoir deviner tout simplement en faisant ce petit geste-là que j'ai ici un 5 de carreau. Je la mets en dessous, je prends la carte, je regarde pas bien évidemment. Hop, ici j'ai un 9 de cœur. Je fais ça. Ici j'ai un roi de trèfle. Je fais ça, je sais que j'ai un valet de trèfle. Je fais juste ça et je sais ici que j'ai un 7 de pique. Et je peux continuer bien évidemment comme ça, on passe aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de cette technique, je vais tout simplement prendre la carte ici. Il va falloir tout simplement effectuer un petit geste qui va être celui-ci. Regarde bien. On a la carte qui est là et le geste à effectuer, c'est de prendre l'annulaire et de bouger le coin en bas à droite, si vous êtes droitier bien évidemment, si vous êtes gaucher c'est le coin en bas à gauche, avec votre annulaire en tapant dedans. Donc on donne l'impression au spectateur qu'on fait juste ce petit geste là pour l'effet magique, alors que finalement ça va nous permettre tout simplement, regardez bien ce qui se passe. En faisant ça, je vais pouvoir faire apparaître ici. Alors forcément, de votre angle de vue, vous n'allez pas bien voir. Mais ici, je vais pouvoir faire apparaître le petit as de carreau. Donc là, la caméra est mise vers le bas. Donc forcément, je ne suis pas dans le bon angle. Je vais essayer de me mettre de votre angle pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je fais ça. Et en fait, très légèrement, en faisant ce geste-là, on va pouvoir voir as de carreau. Alors bien évidemment, il faut s'entraîner à faire ça. Donc le geste il est très simple, on prend la carte, je la mets comme ça et c'est mon annulaire qui va effectuer 1, 2, 3 pour être sûr, donc une sorte de pichenette tout simplement, ce qui va hop nous permettre de révéler le petit coin juste ici avec la valeur de la carte. On va le faire avec une autre carte, admettons je prends celle-ci, hop. Donc je me mets dans votre angle. Et là, vous voyez bien, hop, 8 de trèfle. Alors forcément, la caméra va pas enregistrer les vidéos avec beaucoup d'images par seconde, donc ça va être très compliqué pour vous de le voir. Mais avec votre œil, vous pouvez vous entraîner tout simplement à effectuer ce geste-là. On prend une carte, on la met comme ça, et avec l'annulaire, on vient hop, taper dans la carte, et on vient du coup révéler la valeur de la carte. Regardez bien, hop, 7 de trèfle ici. Donc en faisant ce geste là, au début vous allez devoir le faire pas mal de fois, peut-être le faire même de façon un petit peu grossière. Et au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus simple pour vous de le faire et de révéler la carte. Donc voilà, c'était une petite technique, une petite astuce de mentaliste que je voulais vous partager dans cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like juste en bas pour référencement YouTube. Et vous pouvez accéder à 3 vidéos qui sont très faciles et très impressionnant, c'est 3 tours de magie professionnels, faciles et impressionnants. Le lien est dans la description, vous rentrez votre email et pendant 3 jours, je vous envoie 3 tours de magie faciles et impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!